Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans Spiritfarer. On avait bien avancé la quête avec Jackie et Daria, puisqu'on avait découvert enfin le visage de Daria. J'ai fait un petit tour en off de mes succès et un peu du wiki. Et en fait, il s'avère que je n'ai juste pas eu l'overlay qui me disait qu'on avait bien tous les sanctuaires, donc on a tous les sanctuaires. Ce qui me pose un peu question, puisque je pense qu'il y a des endroits où on peut casser la roche d'une manière ou d'une autre, et du coup, vu qu'on a tous les pouvoirs, il faudra qu'on regarde comment on peut faire ça. Après, c'est pas forcément utile, hein, le but du jeu, le but de ce let's play est pas de faire un 100%. Au moins 100% au niveau de l'histoire. Ça serait bien aussi un 100% au niveau des îles, qu'on voit un peu à quoi le monde ressemble en entier. Mais c'est pas un 100% au niveau de il faut tout miner, tout récupérer, tous les coffres. J'aimerais bien qu'on améliore notre bateau au maximum, mais si on n'a pas réussi à avoir tous les plans, et ben ça sera pas grave. En tout cas, là, on va essayer de faire cette quête avec Jackie et Daria. C'est parti! Donc, on était à Overbrook. Ici, on n'a toujours pas de nouveaux objets. Je sais pas du tout ce qu'il va falloir qu'on fasse pour voir ces nouveaux objets dans... la boîte distributrice. On verra. Par ici! Oh, c'est toi! Phew, je suis soulagée. Tu vois, quand ça a commencé à sentir le soufre, j'ai vraiment pensé qu'il y aurait une éruption volcanique. Ou que je faisais une attaque. Mais non, c'est seulement l'odeur de Stellers! Ha 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 ha! En tout cas, merci d'être venu rapidement! Comme tu vois, je suis encore submergée et le convertisseur de courant principal de l'hôpital est encore en panne. Encore. Je te jure, la merde que l'administration nous inflige! T'inquiète, ça arrive tout le temps! L'hôpital fonctionne grâce à la génératrice en ce moment. Mais si celle-là part en vrille, alors ouais, n'y pensons pas. Un électricien devrait vraiment venir réparer le convertisseur, mais jusqu'à présent, je m'en étais bien tiré. C'est simple, vraiment, prends cette clé. Elle déverrouille les ascenseurs du côté le plus à l'est de l'hôpital. Une fois là-bas, tu dois trouver les fusibles et appuyer sur tous les boutons jusqu'à ce que tu entendes un bruit. C'est ce que je fais habituellement. Merci de ton aide! Ah oui, on va vraiment y aller comme ça. Alors, ils sont pas de ce côté. Y a rien ici. Il vous a dit plus à l'est de l'hôpital. Hein. Alors l'hôpital est là. Ça doit être là. C'est moi ou les hôpitaux ont une odeur différente? Je sais, c'est bizarre de penser à son nez et sentir des choses. Quand est-ce qu'on l'utilise vraiment? La plupart du temps, il est seulement là. Il fait rien. J'imagine que les choses sentent toujours une odeur moyenne, tu sais. Quand ça sent vraiment bon ou horriblement mauvais, ton nez te le dit. C'est comme ça que les nez fonctionnent. Ouais, sauf que j'aurais cru que c'était par là. Alors, répare le panneau de fusible en haut de l'ascenseur du côté est. Le panneau de fusible en haut de l'ascenseur est. Alors, je veux bien être un peu concon. Il y a un peu rien qui ressemble à un ascenseur est. Hein.
D'accord, ça c'est pas l'est, hein. Ok, je peux sauter pour aller de là à là. Ce qui m'avance absolument pas, mais c'est pas grave. Lui ne nous aide pas. Et on n'a pas d'ascenseur ici. Et ici, il n'y a toujours rien, hein, on est d'accord. Alors, je veux bien, mais je vois rien qui ressemble à un panneau de fusible. Et là, il y a quelqu'un qui se planque, qu'on voit pas. Je peux sortir, mais je peux pas rentrer ici. Ok. Je vais peut-être faire des choses du coup. Non, il n'y a rien qui s'active. Je vois décidément rien qui ressemble à un ascenseur. Et lui nous parle de sa bouffe. Et ici, bien évidemment, on ne nous laisse pas rentrer. Sinon, ce serait trop beau. Alors, je veux bien être un peu concon, mais je vois pas du tout où est cette boîte à fusibles. Interagir avec rien. Ma lanterne, elle me sert à rien. Et à l'est d'Overbrook, je veux bien croire à un certain nombre de choses, mais y a pas d'autres villes à l'est d'Overbrook, donc. Par contre, je vois que on a quelqu'un. On va aller voir Francis, hein, même si je suis pas convaincu qu'il y ait grand-chose avec Francis. Qui nous dit qu'il a une nouvelle course comme d'habitude. On gaspille pas nos potions d'expérience. Il reste des courses. C'est exactement la même chose que d'habitude. On vend notre vase, on vend notre carte à collectionner. Et on va aller voir ce que c'est là-bas. Commandante! Je peux voir ton dévouement pour cette quête de nutriments. Tout explorateur d'un peu de valeur a besoin de subsistance, et la pochette d'un explorateur doit en contenir une multitude. Dans mon cas, je parle toujours de la circonférence des tomates rouges de la mort. En toute occasion, c'est mon gage préféré de la pizza aux tomates, si tu n'avais pas compris. Du coup, il nous a spontanément dit ce qu'il aime. De la pizza. Pourquoi n'y ai-je même pas pensé? De la pizza.
Ça ne se peut pas, au nom des lunes de Dorumine. C'est le disque rouge de l'insondage félicité. Commandante, je n'ai pas de mots. Que tes efforts soient bénis à tout jamais par la douce touche de la fée lumière. Que ta force morale soit éternellement forte comme les Rorcar le brave. C'est délicieux. Oh, j'aime tellement la pizza aux tomates. Et du coup, il est super content. Ce qui m'avance pas sur mon électricité, là, hein, je dois bien avouer. Ici, il n'y a rien. Peut-être que de nuit, on va y avoir un peu plus d'idées. Il y a encore quelqu'un, mais voilà. D'ailleurs, oui, je dis juste rien. On peut monter. Je vois toujours rien qui ressemble à un ascenseur. Je vais lui demander un peu plus d'infos parce que là, je vois pas. Il veut pas me parler du coup. Zut. Répare le panneau de fusible en haut de l'ascenseur du côté est d'Overbrook. Alors moi je veux bien. Le panneau de fusible en haut de l'ascenseur. Mais j'ai vu aucun ascenseur en fait, c'est ça le... Je suis désolée, hein, mais... Je ne vois strictement rien qui ressemble à un panneau de fusible. Du coup, la seule chose que je vois qui ressemblait à un panneau de fusible, c'était du côté de Bourconte et Compagnie. D'ailleurs, il nous manque plein de choses qu'on n'a pas trouvées du côté de Bourconte et Compagnie, du côté de Southbound. Bah écoute, on va y aller. Mais si c'est ça, c'est une description de quête toute buggée, hein. Ça m'embêterait, mais... Dans ce genre, je ne ressemble pas à ce qui est écrit. Ça serait dommage. Bon, ça fait déjà 10 minutes qu'on cherche, donc... Au pire, on fera autre chose, hein. J'irai un petit peu me renseigner sur le Discord.
On pêche tranquillement, le temps que ça passe. On n'a pas grand-chose d'autre à faire, on va bien se l'avouer. Après, Jackie nous a dit qu'il arrivait à réparer ça tout seul. Ce qui correspond pas vraiment à cette chose-là. Ouais, donc c'est bien ça. On n'a bien pas la clé d'ici, c'est ce qui correspond. Je vais aller regarder no notre clé. Il nous a donné une clé. La clé du levier de contrôle de l'ascenseur se trouvant dans l'aile la plus à l'est d'Overbrook. Donc c'est bien ça, c'est bien à Overbrook. On y retourne. Suis désolée pour ce contretemps, mais... Ça fait un épisode pas forcément très intéressant. Regardez, je suis vraiment désolée. Mais j'avoue que je ne trouve pas cette aile. Donc on y va tranquillement, hein. Je m'occupe en pêchant. On n'a pas grand-chose d'autre à faire là. On est pas mal. J'ai peut-être du minerai d'aluminium à faire d'ailleurs pour améliorer le cellier. Non, il me faut de l'ectoplasme en bouteille, c'est ça. Je sais pas pourquoi mon cerveau se souvenait minerai d'aluminium, mais pas du tout. Sans doute parce qu'on en a fait lors du dernier épisode et que il nous en fallait. On va réfléchir. Parce que pour moi, à part cette chose-là, là, où il n'y a absolument rien. L'aile la plus à l'est. On va essayer de voir comment ça se goupille. Celle-ci. Et là, celle-ci est comme si. Là, c'est 3. 4 est là. 4 serait celle qui serait la plus à l'est. Si on prend ça comme ça. Sauf que, dans 4. Je trouve rien, il n'y a pas de... Et puis il n'y a rien à descendre. Et rien à sauter.
Du coup, pour moi, celle qui est plus à l'aise, c'est forcément celle qui est... Et la plus à droite. Et la plus à droite, ça reste quand même la 4, mais il n'y a rien dans la 4. Je vois aucune porte. Et ici on a lui. Alors je veux bien toutes les essayer, hein, mais j'ai déjà quand même un peu tout regardé. S'il n'y a rien. S'il n'y a rien. Ici, je peux arriver jusque-là. Non plus rien. Et ici, on peut sortir, mais... Ok, je peux descendre par là. Arriver ici. Ok, j'ai visiblement des passages à l'intérieur entre les... différentes ailes. Je suis terriblement désolée, je pense que je vais pas vous infliger ça plus longtemps, je vois absolument pas où est cette aile. Y a rien. Il n'y a aucun ascenseur nulle part. Il y a ici une personne différente tous les jours. Pourquoi c'est si long? Bah parce que j'y arrive pas. Wow. C'est philosophique ce qu'il vient d'essayer de nous dire, mais je ne vois pas comment. Y a rien, l'aile la plus à l'est, selon toute vraisemblance, c'est la 4. Et la 4, y a rien. Elle communique même pas par un truc secret avec les autres. Je peux rien révéler. On est à l'est, mais il n'y a rien qui s'active, il n'y a rien qui ressemble à un ascenseur. Je vous avoue que c'est bien la première fois qu'on a un truc qui est pas immédiat et intuitif. Parce que bon, on va pas me faire croire que l'ascenseur il est dans cette ruine toute moisie, hein. Et on m'a donné une clé.
est censé déverrouiller un truc. Et je vois rien à déverrouiller. Il n'y a pas d'autre île. Oh, punaise, il y avait une autre île. Oh, bien sûr, bien évidemment. Pourquoi n'y ai-je pas pensé depuis le début? Il y avait une autre île. Tu es la Spirit Farer, n'est-ce pas? C'est ce que je pensais. Tu n'es pas la passeuse d'âme, tu n'es qu'une menteuse. Je suis le Spirit Farer. J'étais choisi par Charon pour trouver des esprits et les amener au-delà. Tu fais mon travail. Tu t'es pointé au bureau du Spirit Farer et tu étais que ton nom était Gary. Ouais, je m'appelle Gary. Je suis le vrai Spirit Farer. Tu as vu une opportunité et tu l'as prise. Tu es un vrai vautour, n'est-ce pas? Ça serait jamais arrivé si j'avais pas perdu la lanternelle que Charon m'avait donnée. Tu t'en reprends un étang et tu paies le prix pour le reste de ta vie. Alors écoute-moi bien. Tu es peut-être une menteuse, une tricheuse, mais moi je sais que tu es une bonne personne. Je peux le sentir. C'est un des avantages d'être Spiritfarer, de lire les gens. Tu le saurais si tu étais la vraie Spiritfarer. En tout cas, je crois qu'il est en ton devoir de m'aider. Une fausse Spiritfarer, ça c'est toi. Un vrai Spiritfarer, ça c'est moi. Tu peux recommencer à faire ce que tu faisais avant et moi je retournerai à mon rôle de Spiritfarer. Comme je disais, c'est moi qui t'ai choisi par Charon, pas toi. Heureusement pour toi, ça sera pas trop difficile. Ma lanternelle est dans l'eau près d'ici. Tu devrais la pêcher pour moi. Mais n'amène pas ton bateau trop loin d'ici. Elle devrait être dans les eaux près d'Overbrook. Cool. Donc on a ici un levier. Levier qui fait bien son travail. De levier. C'est vrai que je l'avais pas du tout vu, hein, la deuxième. En plus, il y a même un passage. Elle va jusqu'où? Je l'ai vraiment pas vu. Elle va jusque tout en haut. On va pas y aller, hein. On va juste aller voir où ça mène. Ouais, ça mène tout en haut. On va rester de ce côté-là parce qu'on a vu un coffre qu'on va essayer d'atteindre. De manière toute simple, une grosse bouteille de lueur. C'est cool. J'ai pas de moyen de descendre. Ah, juste là. Ok. Bien planqué. Ok, tout le reste, il n'y a rien. Eh bien, sérieusement, je l'avais pas vu. Ah, du coup, j'aurais dû prendre la... La tyrolienne. On va passer par là, hein, c'est pas grave. C'est tout aussi rapide. Ah, je l'avais vraiment pas vu, l'autre île. Je vois que l'électricité est revenue. Super! As-tu utilisé ma technique brevetée pour pousser sur tous les boutons au hasard? Je te jure, je pourrais être ingénieur. Leur travail, c'est une blague. Toute l'ingénierie, c'est une escroquerie de toute façon. C'est juste des câbles qui s'embrassent avec la langue. D'autres câbles, on pige. Une autre façon pour que les riches restent riches pendant qu'ils crachent sur nos têtes de leur tour d'ivoire. On devrait s'organiser, commencer une révolution ou un truc du genre, tu sais. Prenez les armes, camarades, et tout le baratin. Je vais écrire un pamphlet un jour. Un vrai, comme en politique. Parfois, quand je prends ma douche, je réfléchis et tu croirais pas. Je pense à des trucs. Mais je peux pas vraiment prendre de pause. Cet endroit tombera en ruine sans moi. Je peux pas faire ça aux gens, n'est-ce pas? Beurk, ça pue. Pas autant que toi, mais bon, quand même, ça sent pas bon. Et merci, Stellars. Comme toujours, tu as un trésor. Je m'occupe du reste. Oh. Et du coup, il n'y a toujours rien de plus dans cette machine.
Je sais pas ce qu'il faut faire pour eh ben, s'occuper de cette machine. Mais du coup, on a déjà donné une broutille de pêcher aux alentours d'Overbrook. On va pêcher ici si on peut. Et effectivement, on trouve une ampoule. C'est probablement ça qu'il nous fallait. On va quand même pêcher un peu plus au cas où, mais. Ouais, voilà, du poisson. Je m'en doutais un peu. On va pouvoir lui reparler. Et du coup, on va faire un épisode un petit peu plus long à cause de ma boulette. J'avais absolument pas vu qu'il y avait une seconde île. Tu l'as! La lanternelle! Alors merci beaucoup! Tes services ne seront plus nécessaires. Bye! Au revoir, Sayonara! Ton règne de terreur est enfin terminé! Je reprendrai ma place en tant que seul et unique Spirit Farer! Je dois seulement me rappeler comment allumer ce truc. Je vais le trouver tout seul. Parfait. C'est tout juste parfait. Ça nous permet quand même bien d'avancer. Et du coup, ça explique où était le coffre-racre d'Overbrook qu'on ne trouvait pas. Bien évidemment, hein, si on ne trouve pas toutes les îles, eh ben, on va pas loin. Du coup, j'hésite un peu pour la suite. On aimerait l'ectoplasme en bouteille pour pouvoir améliorer notre cellier. On sait que probablement notre ami dont j'ai déjà oublié le nom. Oh là là. Jackie va nous appeler. On va peut-être juste rester là. J'aimerais bien explorer le monde, histoire qu'on sache. Si on n'a pas loupé des îles le long du bord. Donc en haut, ça a l'air d'être plutôt pas mal, je pense. C'est plutôt dans la région au sud, où je pense qu'on a quand même pas mal de petits trous. Mais j'ai pas envie de vous infliger ça pendant le let's play. J'ai bien envie de faire ça en off. Mais du coup, si je tombe sur quelque chose, il faudra que je vous montre sur ce que j'ai trouvé. Ça pourrait être la solution. Y aller doucement, tranquillement. En profiter pour pêcher éventuellement un peu les thons maintenant qu'on sait que c'est plus facile pour moi vu qu'on a fait l'amélioration. Ça pourrait être la solution. Donc, on a des tons bleus par ici. Des tons jaunes par là. Je pense que je vais effectivement faire le tour. Le truc, c'est que Jackie va probablement nous redemander un peu d'aide. Et donc du coup, j'aimerais bien qu'il le fasse pour qu'on puisse tout faire en off, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc bah écoutez, je verrai. Je ferai peut-être pas ça directement lors du prochain épisode, peut-être lors de celui d'après. Ou alors, je commence à explorer simplement sans lui. Et avec vous, du coup, voir un peu ce qu'on peut faire. On a toujours le trésor d'Elena à trouver. On peut aller à Nordsee, hein, ça peut être une solution.
Ça peut être la solution intermédiaire, je pense. Aller tranquillement à North Sea. Ça me plaît assez en fait. On va peut-être faire ça, du coup, faire la quête de notre ami Buck. La prochaine fois, en tout cas, ce sera lors du prochain épisode. Je suis vraiment désolée, hein, j'ai absolument pas trouvé facilement et rapidement, du coup, ce que Jackie nous demandait de faire. Mais en tout cas, eh bien, c'est fait. L'épisode est du coup un peu long. Et on sait qu'on va aller à Nordsee. Nordsee qui est au nord. Qui est par là. Nordweiler. Lohnberg. Nordsee. Nordsee, c'est par là. Donc c'est du côté de Suzanne, mais on n'a pas fini les collections. C'est pas très grave. Écoutez, je me téléporte avec le bus et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye!